You think you know me. Finish him off. Well, you might as well forget it, because you're no match for him. Regardless, I must go. I had a chance to stop him before, but I couldn't. I'm responsible for all this mess. Responsible? Does it bother you that much? He's my father. Besides, who else can undo what he's done? A demon like you wouldn't understand. Father and family, huh? Well, I'll go too. But you better hurry if you don't want me to take all the credit. Allez, on se retrouve pour la mission 14. On est déjà presque à 3 quarts du jeu, donc on touche au but. Je vous avouerai que je suis bien content. C'est pas évident de commenter autant de vidéos en fait, et de trouver de quoi vous occuper aussi longtemps. Bon, je vous garantis pas que je vais vous parler jusqu'au bout, hein, parce qu'honnêtement, c'est difficile de trouver des sujets. Bon, quoi qu'il en soit, là on va avoir quand même quelques petits trucs à dire. Outre le fait que les cinématiques qui viennent de passer étaient assez sympas, que Lady est pas passée trop pour une débile cette fois-ci. On a surtout donc une nouvelle arme, donc vous avez vu dès le début, je suis allé la chercher, c'est Beowulf, qui est près du ravin, là où il y avait Vergil. De toute façon, vous inquiétez pas, vous êtes obligé de la récupérer, puisqu'il y a une statue du destin, ou je sais pas quoi, qui bloque la route. Donc de toute manière, vous auriez dû, quoi qu'il arrive, la récupérer. Donc c'est une arme que moi je vais utiliser maintenant jusqu'à la fin. C'est très pratique pour ceux qui ont joué au 4, je pense que vous serez assez habitués. Ceux qui ont joué au 1, bon, c'est pas exactement comme Ifrit, hein. Là c'est quand même un petit peu plus rapide qu'Ifrit, je pense. C'est un petit peu plus diversifié. Donc c'est une arme en fait qui est très puissante, d'où son intérêt. Vous pouvez charger les attaques en restant appuyé. Oui, et donc elle trouve tout son intérêt dans DMC3 comparé à Ifrit du 1, dans le fait que vous pouvez switcher d'armes. Vous ne pouviez pas faire ça dans le 1, de switcher à la store Ifrit, enfin pas en plein combo. Là, comme on peut le faire, ça permet de commencer les combos avec une arme rapide, comme Rébellion, et ensuite d'enchaîner sur cette arme-là qui est plus lente. Donc c'est vraiment, elle trouve vraiment tout son intérêt dans celui-là. Et moi je trouve qu'elle va très très bien avec Rébellion, donc après elle peut aller bien avec aussi avec Cerberus ou Agni Rudra par exemple. Peut-être moins avec Nevan, parce que Nevan est aussi une arme plante, donc je pense que ça irait pas bien ensemble, mais elle se couple bien avec Rébellion.
Bon bref, je vous ai un petit peu abrégé la séquence, vous l'avez vu, il y a eu un petit montage, parce que bon, c'est un petit peu long, donc vous n'êtes pas... Je me suis baladé, j'ai cherché s'il y avait des herbes rouges, un truc comme ça, il n'y avait rien. Donc, comme c'est du temps perdu, je vous les zappe parce que ça commence à être un petit peu long, ces vidéos, c'est chiant. Donc je vous les zappe. Il n'y avait rien d'intéressant, rien de notable dans les vidéos qu'il n'y a pas là, vous inquiétez pas. Bon alors ces ennemis, donc on les a déjà vus, là cette fois-ci on les a... Ils vont vous attaquer, donc l'idée, bah voilà, c'est d'arriver dans leur dos. Enfin, provoquer leur attaque pour arriver dans leur dos. Parce que ça sert à rien de sauter au-dessus d'eux, oui, vous ne pouvez pas. Il faut attendre qu'ils attaquent et puis y sauter. Et utiliser Rébellion, parce que comme vous voyez, Beowulf, ça marche pas bien. Et les armes à feu, je crois que ça ne leur fait pas de dégâts non plus. Trois coups suffisent. C'est pas trop compliqué pour l'instant. Là je triche encore un petit peu parce que j'étais revenu en arrière faire le tour de la salle, ce qui ne servait à rien. Bon là ce chemin là en fait vous le connaissez déjà, d'ailleurs si vous aviez pas récupéré le fragment dans la statue où il fallait Agnir Udra, bah là c'est le moment, enfin c'était le moment. Là vous allez avoir quasiment les mêmes combats que la première fois, des ennemis peut-être un petit peu plus forts. Ouais voilà, il y a des blancs. Bon. Ça change rien de la première fois, amusez-vous, c'est un bon endroit pour faire des combos. Vous pouvez vous faire plaisir. Ça va être le moment de vous entraîner avec Beowulf justement. Et du coup je peux peut-être parler un petit peu de Beowulf, même si à ce moment-là j'avais pas encore fait trop de jump cancel, je vais peut-être faire ici. Ah, je crois que je le faisais pas encore à ce moment là, ça va venir un petit peu plus tard. Donc Beowulf, donc des armes de poing, vous avez un combo de base normal, vous avez un combo un petit peu dans le genre du million stab où il faut faire deux attaques, laisser passer un temps et ensuite matraquer la touche d'attaque, ou alors vous faites deux attaques, une petite pause, une attaque, donc il va faire les coups de poing. Et si vous refaites juste une attaque, si vous ne m'attraquez pas, il va faire un dernier coup de pied. Vous avez la descente du pied quand vous sautez, donc ça c'est une attaque qui est facile, enfin entre guillemets facile à jump canceller sur certains ennemis. On le verra un petit peu plus loin dans le jeu, donc j'expliquerai à ce moment-là. Et sinon, en Swordmaster, vous avez une espèce de boule à lancer, donc ça c'est pas génial. La deuxième attaque c'est le choc au sol, c'est pareil, moi je suis pas fan. Et la troisième attaque en Swordmaster, on l'a pas encore mais quand vous la verrez, c'est une très bonne attaque, c'est le Real Impact. Donc pour ceux qui ont joué au 4, ils connaissent, c'est la plus puissante attaque du jeu. Elle est très lente à faire mais elle fait énormément de dégâts. Donc voilà comment fonctionne ce jump cancel. Donc là il est mal exécuté par contre, attention. Vous faites une descente du pied sur l'ennemi, donc touche d'attaque, donc moi c'est rond. Je vous donne avec mes touches à moi. Moi j'ai le saut sur triangle et rond pour l'attaque. Vous sautez, vous faites rond pour faire la descente du pied, et au moment où vous touchez l'ennemi, vous refaites la touche de saut. Donc Dente va canceller son mouvement, ressauter, et là vous refaites rond pour recommencer. Et l'idée, par contre, là c'est pas toujours bien exécuté, c'est que pour que les dégâts soient faits, il faut qu'il y ait l'espèce d'aura blanche autour du pied. Donc si vous le faites trop vite comme moi, si vous faites triangle rond, triangle rond, triangle rond, mais trop vite, l'aura blanche n'apparaît pas et du coup vous ne faites pas de dégâts, ou très peu. Donc il faut un timing, il y a un timing assez précis, donc au début je m'entraînais encore, hein, je le connaissais pas, hein, je vous dis je l'ai jamais fait à l'époque. Alors par contre sur eux c'est plus difficile à faire, j'y arrive pas. Donc il y a un petit timing à choper, mais justement là c'est les ennemis parfaits, enfin pas les cavaliers mais les pions, c'est vraiment les ennemis parfaits si vous voulez vous entraîner à ça. Donc il faut en fait que l'aura blanche apparaisse autour du pied avant de faire votre cancel. Et en faisant ce truc là, l'intérêt c'est que c'est une attaque qui fait vraiment beaucoup de dégâts, la descente du pied, son gros défaut étant que quand vous touchez le sol, il y a beaucoup de temps
avant que Dente puisse rebouger. Sauf qu'en faisant le cancel, vous annulez en gros ce défaut et vous vous retrouvez avec une attaque très puissante que vous pouvez faire toutes les demi-secondes, quelque chose comme ça. Et par exemple sur Vergil, c'est possible de le faire et ça permet de le tuer extrêmement vite. Sur les faucheuses, on peut le faire, c'est pareil, leur vie descend hyper vite. Enfin voilà, vous verrez donc un petit peu plus loin dans le jeu comment il faut bien le faire, parce que j'ai finalement réussi à bien le faire un peu plus loin. Au début, je me rendais pas compte que ça faisait moins de dégâts, enfin, je m'en rendais compte, mais c'était pas facile à voir, à corriger. Donc vous voyez, en fait, je le fais un petit peu trop vite, donc il faut le faire un petit peu moins vite. Vous voyez, il faut, hop, que le blanc apparaisse. Mais ça, à chaque saut. Et là, si vous maîtrisez ce jump cancel-là, vous êtes tranquille pour le reste du jeu, quasiment. Enfin, j'exagère parce qu'il y a quand même la bonne moitié des ennemis sur lesquels c'est pas possible de le faire, mais il y a pas mal d'ennemis sur qui c'est possible, plusieurs boss également, donc bon. Notamment des difficiles comme Vergil. Mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres. Sur lequel j'ai fait ça aussi. Ouais, non. D'ailleurs, j'ai même pas pu tester encore sur lui. Vu que je l'ai pas rencontré. Donc je peux pas vous dire, mais sur les ennemis de base, en tout cas, c'est faisable. Et quand vous aurez le réel impact, c'est pareil, ça sera très pratique contre les boss. Donc là, trop rapide. Un peu trop rapide. Pour savoir la vie des ennemis, donc pour savoir si vous faites des dégâts, le réticule, je l'ai pas dit, mais vous avez 4 petites barrettes dessus et ça représente la vie. Donc quand il y en a une qui disparaît, voilà, comme là, ça veut dire qu'il a perdu un quart de sa vie en plus. Donc, c'est un indicateur sur la vie qu'il leur reste. Donc ça, c'est pratique si vous voulez voir un petit peu est-ce que cette attaque fait plus de dégâts que celle-là, est-ce que j'exécute bien mon truc ou pas. Encore un petit montage parce que j'ai perdu un peu de temps, j'ai fait demi-tour pour voir s'il y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce que ces statues sont censées représenter Griffon à votre avis? Ou est-ce que c'est juste des oiseaux? Je sais pas pourquoi ils ont mis cette espèce d'attaque où on lance une boule, parce que c'est comme le météore dans le 1, sauf que ça a une portée de 4 mètres. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de l'attaque. Là c'est à peine de la mi-distance quoi. C'est pas longue portée, ça c'est sûr. C'est à peine mi-distance. Alors là la caméra a complètement bugué, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas ma vidéo, hein. C'est le jeu m'a fait ça.
Là, j'aurais voulu vous montrer le fait de tourner sur la barre de pole dance, mais bon, malheureusement, elle n'est plus là. Allez, après ces scènes un petit peu fantaisistes, donc comme vous le voyez, les lois de la gravité, les lois de la physique ne s'appliquent pas dans Devil May Cry. Ça n'a aucune logique. Bon, on le savait déjà, mais là, on en est sûr maintenant. Alors ça, c'est des ennemis vraiment chiants. J'ai pas trouvé de très bonne technique contre eux. En fait, il faut d'abord casser leur aile qui les cache, donc voilà. Leurs visages apparaissent, donc il faut attaquer parce que les flingues ça a pas l'air de leur faire trop de dégâts, et ensuite bah il faut les baisser quoi. Là on peut leur tirer dessus, mais c'est un peu long et leurs attaques sont vraiment chiantes quoi. Alors j'ai essayé leur lancer l'épée dessus, elle se plante pas souvent, enfin plein de fois elle se plante pas, je sais pas pourquoi elle va pas directement sur eux. Le jump cancel, pas moyen, donc bon bah c'est long, c'est juste long comme ennemi. En fait, faut surtout être patient, en fait. Faut pas essayer de se presser, faut pas essayer d'aller trop vite. L'avantage, c'est qu'ils sont que deux, et je crois qu'ils seront toujours que deux par deux, en fait. Il n'y en aura jamais, genre 8, des trucs comme ça. Ce qui donne un petit avantage. Ah, voilà. En plus, si leur aile peut réapparaître, c'est génial. Je pense, en fait, faut vraiment attendre leur attaque, l'éviter, et ensuite attaquer. Pas essayer de prendre l'initiative. Enfin, pas trop, quoi. Voilà, par exemple, là, attendre qu'il attaque et ensuite on est tranquille. Vous voyez, là, l'épée est pas partie sur lui, je sais pas pourquoi. Enfin, y a peut-être des armes plus adaptées que Rébellion et Beowulf, pour le coup. Peut-être que Nevan, justement, serait une bonne arme contre eux. Pour le coup, ça pourrait être une meilleure arme. Cerberus, je vois pas ce qu'elle aurait de mieux. Ragnir Udra, peut-être, à la limite. Les araignées, bon, ça change pas, c'est toujours chiant. D'ailleurs,
j'en ai eu marre, je me suis barré. Je me suis barré parce que vous allez voir, en fait, c'est un niveau un petit peu labyrinthique. Il y a une orbe bleue à récupérer et il faut que vous fassiez exactement comme moi pour aller la récupérer. Parce qu'en fait, vous avez une espèce d'interrupteur qu'on va activer qui a trois couleurs. Et selon les couleurs, les portes vous emmènent à différents endroits. Et donc, si vous faites ça dans le désordre, un peu n'importe comment, vous allez vous retrouver à un endroit complètement aberrant. Enfin, vous allez vous paumer un petit peu, donc faites-le dans l'ordre comme je le fais. Et en fait... Et vous vous perdrez pas comme ça. Mais du coup, la mission est un petit peu longue. Je me suis un petit peu gouré, en fait j'ai sorti pour être sûr que c'était bien la bonne zone en fait. Attention aux lames qui tournent, ça fait des dégâts. Je suis navré, j'ai vraiment rien à vous dire aujourd'hui. Je réfléchis, mais enfin, je suis un peu dans mes pensées. Je trouve rien à vous dire. Je vais réfléchir pour les dernières vidéos, parce que bon, je vais pas vous faire le silence pendant une heure.
Je vais essayer de réfléchir à des trucs à dire pour l'instant et puis je verrai pour demain. À la limite je les ferai peut-être plus tard les vidéos. Parce que là je vous avouerai, en fait je viens d'avoir prototype. Et je suis assez impatient d'aller le tester. J'avais beaucoup aimé le premier. On pourrait discuter de ça, mais bon, il n'y a pas vraiment de lien avec la vidéo, donc je vais m'en abstenir. Mais donc voilà, sachez juste que c'est parce que j'ai envie d'aller jouer à prototype. D'abord, en plus, il faut que je finisse DMC3, j'ai encore deux missions, je les ai toujours pas faites. Et après, je vais pouvoir jouer à prototype. Ah, je vais juste en profiter pour dire une chose, parce que j'y pense là. C'est pas la peine d'essayer de m'ajouter sur le PSN. C'est pas contre vous ou quoi que ce soit, mais comprenez bien que déjà le PSN, on est limité à 100 amis. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis une limite comme ça, peu importe. Et en fait, moi je n'ajoute que mes connaissances, donc mes amis et en gros des gens que je connais un petit peu sur les forums. Et je ne peux pas tous vous ajouter, ça il faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça que, bon, de toute façon, toutes les requêtes amis où il n'y a même pas de message, je n'accepte pas et je ne réponds même pas, évidemment. Si vous avez la délicatesse de mettre un message, je vous répondrai et je vous expliquerai poliment, mais voilà, ne perdez pas du temps à essayer de m'ajouter. Bon, sur le PSN, je n'ajoute que les gens que je connais bien. Puis voilà, c'est pas Facebook. Si vous me cherchez sur Facebook, je suis pas sur Facebook non plus, hein, donc de toute manière. Mais voilà, c'est pas Facebook, c'est pas MSN ou ce que vous voulez. Moi, je veux juste voir en gros les profils de quelques-uns de mes amis. Et les autres, je les garde juste parce que je sais que je pourrais être amené à jouer avec eux un jour. Mais j'ai pas besoin d'avoir 50 milliards de personnes avec qui jouer. J'ai un groupe, on est un groupe de 4 amis où on fait souvent des jeux multi ensemble. Il y en a quelques autres où je sais que sur certains jeux, on a les mêmes goûts, donc on peut se retrouver. Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc j'ai pas... On s'est avec des amis, en fait, je crois que j'en ai une quarantaine. J'en ai plus que de nécessaire. Mais voilà. Donc bon, c'est pas la peine de vous fatiguer à m'ajouter. Là, au passage, on va chercher l'orbe bleue. Donc il faut descendre... Au début, je me suis paumé parce que je suis descendu le chercher, cette orbe bleue. Puis après je me suis dit merde, on peut pas remonter, donc je suis descendu. Alors si vous avez la curiosité, vous pouvez aller hyper loin là en sortant. Vous pouvez aller hyper loin mais vous allez complètement vous paumer. En fait ça sert à rien, en fait l'espèce de dalle là c'est un ascenseur. Voilà, donc moi je le savais pas et j'étais
J'étais parti, je me suis perdu pendant 10-15 minutes, et du coup j'ai recommencé la mission. C'est pour ça que cette fois-ci je savais à peu près où j'allais en fait. Mais donc voilà. Comme quoi la vidéo vous aura peut-être servi à éviter ça. Bon, ça c'était l'aparté sur les ajouts. Par contre sur YouTube vous pouvez m'ajouter en ami. Ça je m'en fous. Et c'est tout en fait, parce que je suis pas sur des réseaux sociaux, je suis sur aucun réseau social ou ce que vous voulez, donc ça se limitera à YouTube. C'est pas la peine non plus de me demander des subs for subs, ou je sais pas trop comment on dit ça, si ça existe encore, mais en gros, si c'est pour me demander de m'abonner à votre chaîne en échange d'un abonnement ou en échange des likes, c'est pas la peine, hein. Ça je fais pas, je vois pas l'intérêt de toute manière. Je trouve ça assez... J'ai souvent vu, en fait, j'ai vu une fois un mec, c'était assez amusant, il avait 5000 abonnés et ses vidéos avaient été vues au total 4000 fois. C'est quand même assez conceptuel d'avoir plus d'abonnés que de vues sur les vidéos. Donc moi ça m'intéresse pas, moi même si je n'ai que... je dois être à 500 abonnés, j'en ai eu pas mal récemment en fait. Enfin, pas mal. J'ai eu un petit... depuis que je fais de la HD, j'ai doublé. Donc 500 abonnés c'est très bien, je suis très content, je vous remercie. Mais voilà, je préfère avoir 1 300 000 vues comme c'est le cas et seulement 500 abonnés que 10 000 abonnés et 1 000 vues quoi. Ouais, vous en pensez ce que vous voulez. Si ça vous vexe quand je dis que c'est débile de faire ça, c'est votre problème, hein, mais voilà, je vois pas l'intérêt de demander à des gens de s'abonner. Moi je m'abonne aux chaînes si j'apprécie. C'est pour ça que je suis abonné qu'à 24 chaînes. C'est parce que voilà, je m'abonne aux chaînes où les vidéos m'intéressent. D'ailleurs, je demande pas à s'abonner à ma chaîne, parce que, je vais être honnête avec vous, moi-même, je m'abonnerai pas à ma chaîne, tout simplement, parce que les vidéos que je fais, c'est sur des jeux assez ciblés. Alors maintenant que je commente, c'est un petit peu plus intéressant peut-être de s'abonner, mais avant ça, c'était juste des soluces, donc pour le coup, est-ce que c'est intéressant de s'abonner parce que vous avez regardé mes vidéos Uncharted? Est-ce que c'est intéressant ensuite de voir que j'ai fait 70 vidéos sur Batman, puis sur DMC, si vous n'avez pas les jeux? Voilà, donc c'est pas très intéressant, c'est pour ça que je dis moi-même, je me serais pas abonné à ma chaîne. Des chaînes comme les miennes, en général je m'y abonne, et puis je m'y désabonne quelques mois plus tard. Quoi. Donc je vous en voudrais pas de ne pas vous abonner ou quoi que ce soit. Hein. Par contre, liker pour le coup, ça c'est sympa, ça coûte rien. Mais j'aime pas trop mendier ça. Je trouve ça un peu dommage. Bon bah du coup on arrive à la fin de la vidéo, je vous ai pas tellement parlé, je suis désolé. Je vais essayer de trouver d'autres sujets de discussion. Là ce soir je ne fais qu'une seule vidéo parce qu'il est déjà tard, je suis rentré tard du boulot. Et je vais jouer à Prototype en plus. Donc je vous dis à plus et je vais essayer de trouver des trucs à vous dire pour la prochaine vidéo parce qu'en plus elle est assez longue. Allez salut. Plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender, in joy, to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth. Gluttony. Greed. Envy. Lust. Wrath. And pride. A bell of chaos that tolls human desires. After 2,000 long years, the once sealed gate to the demonic world will open. Destruction! Carnage and despair! Let your instincts drive you. Entrap this world in fear, as its very name, Temenic Gloom, strikes.
engulfed with pandemonium. The demonic power that Sparta once imprisoned.